aujourd'hui on se retrouve sur du Rage 2. Or aujourd'hui on se retrouve en mission principale. Aujourd'hui on va aller chercher le dernier composant pour la mission principale, donc pour le projet DAG du jeu, pour pouvoir battre l'autorité. Donc j'ai déjà fini deux points. Donc le premier c'était de récupérer une petite sphère qui était avec notre cher vendeur qui se trouve dans la première zone. Le deuxième c'est on récupère un générateur à fusion pour avoir un char, donc je vous le montrerai à la fin de la vidéo. Et là nous allons chercher le dernier composant, donc je sais pas du tout ce que c'est, pour la mission DAG. J'ai récupéré toutes les armes, j'ai amélioré le véhicule à fond, on va dire. Il reste juste le siège éjectable à avoir, sinon j'ai toutes les autres armes. J'ai le mortier, j'ai les missiles croisière, j'ai les canons de 20 mm et j'ai les mitraillettes comme au début de la game, du début du jeu. Donc clairement moi je suis plutôt content, j'ai trouvé comment avoir des composants pour améliorer le véhicule, donc c'est assez rapide. En fait il y a des, je vais vous le montrer sur la carte, il y a des, alors là il n'y est pas, ah si il y est, donc il y a les convois, en fait ils vous donnent par 20 des pièces mécaniques en fait pour améliorer le véhicule. Donc voilà, il reste juste le siège éjectable à débloquer, le drapeau je sais pas comment faut faire, canon autorisé, jumet, bon voilà, ça c'est le canon, mais le drapeau je sais pas, il est en gris, alors peut-être que c'est en fin du jeu, peut-être qu'il se débloque et puis il se met automatiquement pour dire voilà j'ai battu l'autorité, je sais pas, ou pour dire voilà je fais vraiment partie des rangers, je sais pas du tout. Pour le moment on va foncer à la mission principale, donc on se retrouve toujours avec Phoenix, donc véhicule, donc on va passer, alors j'étais aux dunes parce que j'ai battu un ver géant, il y a peu de temps, et il fallait que je le batte, j'ai l'impression qu'il y ait du monde. Les sentinelles de l'autorité. Doit être au bon endroit. Ouais, c'est parti. Alors oui, alors mes armes, comme je vous l'ai dit, j'ai toutes les armes. Hein. J'ai le fusil, d'assaut Ranger, j'ai le pompe, le fusil à pompe, j'ai le lance-roquette intelligent, j'ai le les fléchettes d'attraction qui est plutôt cool, mais vraiment très difficile à manipuler. J'ai le revolver Firestorm. On claque des doigts. Alors vous tirez une fois et vous claquez des doigts en fait. Donc vous, comme si vous, voilà. En fait, à la place de viser, il claque des doigts et en fait ça pète, ça fait péter un truc. Donc le pistolet, machin, le canon impulsion et l'hypercanon qui fait très mal. Clairement, qui fait très très mal. Mes armes fétiches, alors comme vous le voyez j'ai quand même mes armes, bon allez hop c'est parti, je viens te buter. C'est pareil, le canon je l'ai amélioré, mes armes je les ai améliorées à fond. J'ai ma vie qui est un peu plus haute que d'habitude. Normalement, vous avez une vie de 5 de 100 et j'ai une vie de 150. Donc, une vie de 250, de 226. Comment on fait pour rentrer là? Peut-être qu'à la fin. Une vie de 225, donc. Ah mais vous sortez les gars, pas l'heure de là, c'est pas l'heure de sortir. Doc, j'ai réussi, je suis entré. Magnifique, chercher les banques d'ADN. Et peut-être des habitants de Vineland. Peut-être. Hop. J'ai tout, apparemment.
descend. Bizarre. On descend ou on monte? On descend. Super. Super, on descend. On descend. J'ai peut-être mis un peu fort le son du jeu. Je vais baisser un peu le son du jeu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche. Normalement au début de la vidéo, il y a toujours le petit, la petite chose qui se met. Donc le début de vidéo avec le l'abonné, abonnez-vous et la petite cloche. Alors faut aller par où? Alors par contre la caméra est un peu excitée. Je me dépêche peut-être un peu trop. J'espère que ça sera pas trop sale au... Contre, il y a un... Ah. Aïe. Eh, hey, se calmer là, Marcel. Oh, mais ils sont combien là? Oh, 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 calme-toi, toi. Bonne nuit. Ah, la visée! Aïe! Ah, mais wesh. Bonne nuit. Ah, mais wesh. Apparemment, on m'attend de l'autre côté. Doc, vous aviez raison. J'ai retrouvé tout un temps. Il est vivant. Oui, c'est bien ce que je pensais. Leur biomasse sert au projet dont j'ai lutté. Vous devriez les faire sortir de là. Alors tuez-les. Comme du bétail. Ils sont bien trop ennemis. Vous pensez vraiment capable de faire ça? Pour un super scientifique stupide. Bon, on va passer la quatrième cette fois-ci. Apparemment, on est repéré. Apparemment, j'allais dire, moi tout à l'heure, je suis repéré. De toute façon, oh, ça va, les gars. Mais ça va, mouche-mouche là. Oh, ça rame un peu. J'espère que c'est pas trop sale quand même, parce que je regarderai de toute façon. Ah ouais, d'accord. Je me disais aussi, j'ai pas vu ma stock. Alors, ma stock, on a du mal. J'en avais chié à l'époque. J'avais pas le lance-roquette. C'est dommage, mais là, j'ai un lance-roquette. Alors, ça te fait quoi de prendre des dégâts cette fois-ci? Aïe. Bonne nuit. Merci d'avoir choisi compagnie, Ranger. Merci, au revoir. Bonne soirée. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, d'accord.
D'accord, alors attendez. C'est bizarre tout ça. T'as perdu ta tête. C'est quoi ça? Ah, c'est sa tête qui a explosé. Pourquoi il n'y a rien? Ah, si, il y a des trucs là. Il y a des trucs même très intéressants. Mais il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose. Je vais peut-être relancer la vidéo, moi, parce que. Ça pour ça. On est où là? On est où? Oh ben dis donc. C'est bien. Vous êtes bien aimable. Une quoi? Une canette? Pourquoi il parle de canette, le gars? Quelqu'un? Je vais vous sortir de là. Qu'est-ce qu'ils vous font? Ils nous emmènent. Un par un. Derrière la porte rouge. Voilà. On passe. C'est les portes rouges. Personne n'y coupe. Et personne ne revient. Oh, à tous les coups, les. Fuyez. Partez par où je suis arrivé. À tous les coups, les monstres qu'on voit là, qui n'ont pas de bras ou quoi que ce soit. À tous les coups, c'est des personnes en fait. On va s'amuser. Heureux les gens. Bon, apparemment le lag se fait toujours. Je sais pas. Je pense que c'est OBS vu qu'il a une mise à jour à faire. Vu que j'ai pas voulu la faire tout de suite, alors j'espère que ça sera pas trop sale. À la vidéo. Doc, je vois des choses assez troublantes ici. C'est probablement là qu'ils fabriquent les clones dont vous parliez. Les projets à longévité. Oui, mes suppositions se sont encore vérifiées. Trouvez-moi un échantillon de l'ADN de ce bon vieux général et apportez-le-moi. Que je mette fin à cette abomination. Voir ce que je trouve à l'intérieur. Pourquoi c'est si simple? Mais t'es nul en fait! T'es nul! T'es qu'une merde en boîte!
Le général Prout Prout là. Il se met à l'abri le général Prout Prout. Ah mince, bah comment ça se fait que ça a pas marché? Voilà, attendez. Oh bah non, pendant la vidéo tu bugs pas. Ah bah si, il bug. Ah, j'ai plus de stimp. Quoi? Et encore? Oh, le général Prout Prout, il s'est fait démonter! Ah d'accord, ok. Que de mieux une tête. Je pense avoir trouvé un échantillon ADN de... Putain. Alors là, s'il n'y a pas assez d'ADN. Non, non, mais il n'y a pas assez d'ADN, faut en récupérer. Donc le général Cross en fait... Ah d'accord. Descend, j'ai l'impression, ouais. Que je sorte. Bizarrement, je vais être attendu à la sortie, je pense. C'est une supposition, mais je pense que je vais être attendu à la sortie, hein. Général Cross, il s'est fait crosser la tronche. S'il est pareil de... Ouais, je pense qu'il sera plus puissant l'autre. Bizarrement, j'ai une mauvaise supposition. Une mauvaise. Ouais, il y a une. Là, le Ranger. Il reste plus que vous. Oui. La majorité du groupe a déjà été traitée. Ils les ont transformés en biomasse pour les expériences de l'autorité. Vineland a été quasiment vidé, mais il reste de l'espoir. Lily est là-bas, elle gère la situation. Vous devriez y aller et participer à la reconstruction. Vous avez raison. Nous allons tout reconstruire. Nous ne vous remercierons jamais assez de votre courage. Hé, hey, je suis un ranger. C'est mon boulot. Pur. Ah oui, Michette, je t'emmène ma caisse, Michette. Non, mais t'as combien de balles, toi? Hop, est-ce qu'on peut vendre? Oui, on peut vendre. Je suis milliardaire sur tous les jeux, moi, c'est n'importe quoi. Ah oui, j'ai aussi débloqué la moto, le Raptor. Le Raptor qui se débloque quand vous avez niveau 10 avec celle qui est orange. Donc voilà, qui est plutôt sympa à conduire, clairement, qui est vraiment très sympa à conduire.
Bah, je m'éclate à la conduire parce qu'on peut faire des roues avec. Bon, ça, c'est pas GTA, hein, bien sûr, mais elle est plutôt sympa. Oui, merci madame. Merci monsieur, pardon. J'ai besoin de faire le plein de munitions, madame. C'est pour acheter ou pour vendre ? Ils sont rares. Nelly Boomer, membre de l'Alliance commerciale. Ici, c'est ma boutique. Barrage de marécageux ? Ouais, ouais. Ils empêchent toutes les caravanes d'entrer ou de sortir. C'est pas bon pour les affaires, mais on y va. Il me reste quelques trucs en stock. Vous pouvez regarder. Alors c'est pas elle qui vend les couleurs, c'est qui vend déjà les couleurs. Alors elle vend rien. Lui non plus. C'est où qu'ils vendent les couleurs? Ranger. Qui m'a parlé? Et qui m'a parlé? Ah si, fallait trouver la bonne direction de la flèche. Alors non, je ne suis pas une Cellboite. Juste mon atout, courir plus vite. Que j'ai amélioré à fond. Il y a un temps de lag là, c'est bizarre. Peut-être qu'il faudra que je mette à jour quand même. Je la mettrai après. Tenez, nom d'ADN. Grâce à lui, on peut dire que nous prenons la tête de la course. Vous n'avez pas pu résister au jeu. Je vous comprends. Mais il n'y a pas matière. Pour franchir la ligne d'arrivée en tête, il ne faut pas prendre la course. Oh. Ah non, hein. Vous arrêtez de rire avec la tête, hein. Ça suffit. Maintenant, placez... dans l'extracteur. Bon. Tout. S'introduire dans le QG de l'autorité. Ok. D'accord. Ouais. Mais il est où le point ?
Ah, il est là. Ok. Alors c'est quoi ce point là? Pourquoi j'ai des points là moi? J'ai un point là. Localiser les... Ah, c'est ça! Ah oui. Ah oui. Oui. C'est trop mal fait par contre les systèmes de TP. Alors je vais me TP bien sûr au truc. Et je pense qu'on fera la fin du chapitre en live. Donc normalement vous c'est la fin du chapitre mercredi prochain. Voilà. Donc c'est le Xerxex 3 que je ne peux pas taper là, c'est bizarre. Voilà, un char, un gros char même. Dommage qu'il fait nu parce qu'on le voit pas trop, mais il est tout noir avec un gros canon. Il est très très lent. Très très lent, c'est un véhicule qui est très très lent. Il a un boost mais il est super lent. Le truc c'est qu'il fait super mal, je l'ai testé au niveau des dégâts. Tu vas pouvoir partir. T'as tout ce qu'il te faut pour Donc clairement enfin. J'y vais Lily. Je vais mettre un terme à tout ça une bonne fois pour toutes. Pour Prolet, pour Vineland. Après le truc c'est qu'il est super lent le machin, donc c'est un peu dommage. On peut pas l'améliorer, c'est pas comme le Phoenix ou quoi que ce soit. Donc clairement c'est dommage. Mais c'est vrai que pour un véhicule de son calibre, alors bien sûr j'appuie pas sur les touches. Le truc c'est que vu qu'il doit être... il est super super dur à manipuler. Par contre je me suis mis derrière la bordure. Et je vais vous montrer un peu la moto. Hein. Autant que je vous montre la moto. Le Raptor. Le Raptor qui est plutôt sympa. Voilà, on peut braquer, mais là par exemple je suis en marche arrière et là je braque. Je sais même pas si je peux. Attendez. Soit, surtout que j'ai un véhicule directement pour les circuits de course. Et encore, je pourrais presque me dire, je pourrais presque vous montrer un truc. Alors attendez, je crois bien que c'est là. Ah bah oui, je suis en pleine course. Allez, vas-y, va gagner. Allez, gagne. Mais je crois bien qu'en plus de ça, on gagne les véhicules. On gagne les véhicules une fois que qu'on a gagné les joueurs. Mais bon. Alors, attendez, parce que faut que j'arrive à me TP. Faut que j'arrive à me TP, voilà. Normalement c'est ici si je me trompe pas. Donc ouais, bon petit jeu, vraiment le début est vraiment très compliqué. Ah bah non, c'est pas là. Bon. Ah si, il y a peut-être la piste de décollage là-haut. Peut-être qu'elle y est. Et si, il y est. Clairement, on pourrait presque prendre un truc comme ça, parce que je crois bien que je peux en avoir un aussi. Et c'est en fait, c'est pour voler. Donc clairement, ça fait un petit... Bon, il n'y a pas de boost. Il n'y a pas de boost, clairement. Mais clairement, si vous voulez faire des longues distances, découvrir les zones que vous n'avez pas encore découvert. D'accord, ok. Alors oui, ok, j'ai compris le truc. Faut pas passer au-dessus des ravins, apparemment. Clairement, c'est pas comme un hélicoptère. Clairement le truc a décidé vraiment tu peux pas rester en fait. Je pense qu'il doit y avoir quand même une certaine attraction entre le sol et les hélices. Donc ouais, alors ça lag vraiment, faut que je fasse la mise à jour d'OBS.
Donc bon, on va se laisser là, les gens. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre la cloche. De toute façon, je vais faire 2-3 modifications. Moi, je trouve que ce jeu est quand même assez... on va pas dire assez... assez difficile sur certaines choses. La seule chose qui est un peu difficile sur ce jeu, c'est les niveaux des zones. Où en fait, par zone, vous allez bien sûr avoir une zone où vous allez avoir des trucs au niveau 4, 5. Et bizarrement, vous allez avoir un truc qui va avoir un niveau 10, un niveau 10, un niveau 9. Et qui seront super compliqués au début de game. En début de jeu, c'est vraiment très très compliqué. Bon, à mon niveau, maintenant, j'arrive plus à gérer, à part les sentinelles de l'autorité qui se trouvent un peu partout. Donc par exemple ceux-là qui sont là. Là il y a un niveau 8 et là un niveau 8. Mais il y en a une normalement qui est là. Non, c'est pas celle-là, c'est laquelle qui est niveau 10. Là il y a un 9. Là il y a un machin. Là c'est des niveaux 9. Alors bien sûr là par exemple là c'est vraiment très compliqué parce que les vies sont vraiment plus compliquées. Là c'est un niveau 5 donc ça va. Bon après c'est vrai que j'ai pas encore tout débloqué. Mais là normalement voilà. Une sentinelle niveau 10. Et en plus de ça, cette sentinelle est dans une zone où on va rarement, clairement, je vais rarement. C'est pendant que j'allais me balader pour voir s'il y avait des zones ou quoi que ce soit, qui avait ça, une sentinelle niveau 10. Et clairement, elle m'a... Bon, elle m'a niqué, quoi, clairement. Elle m'a niqué, elle a bousillé la bagnole, machin. Ça va que, bon, que c'est assez, assez facile ou quoi que ce soit. De se barrer, mais c'est vrai que là j'étais surpris de cette sentinelle niveau 10. J'ai jamais vu de sentinelle niveau assez bas, à part la première sentinelle qui était niveau 2, je crois, niveau 2 ou 3. Mais clairement, ouais, c'est assez compliqué de se dire que ce jeu a eu quand même. Je sais pas comment ça s'est déroulé au niveau du 1. Je l'ai pas testé, faudrait que je le teste. Donc voilà. Bon, je vous laisse les gens. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Cette vidéo sera un peu plus longue que d'habitude. Parce que bon, en temps normal, je voulais faire une traite. Vu que ça bug, j'espère que voilà. Je vais supprimer bien sûr des morceaux au montage. Donc si vous voyez que je parle et puis qu'à un moment donné, je parle sur un autre truc, ça sera normal. Donc voilà. Je pense qu'une fois fini le jeu, je continuerai un peu à droite à gauche. Je vous montrerai les emplacements de certaines choses. Parce que moi, il y a certaines choses que je ne comprends pas de ce jeu, en fait. C'est que là, en fait, regardez, il y a une zone. Il y a une zone qui est où on ne peut pas mettre de points, bien sûr. Mais qui a l'air complètement différente. Alors, est-ce que on va se retrouver une fois au point là-haut? Est-ce qu'on va pas se retrouver en bas après? Je sais pas. Clairement, il y a certaines choses qui sont un peu qui sont un peu bizarres quand même, moi je trouve, dans ce jeu, parce que cette zone, clairement, et quand je regarde sur internet, elle n'y est pas sur la map. Donc c'est vraiment dommage. Alors est-ce que c'est la première map? Est-ce que c'était la première map du jeu? Est-ce que je sais pas du tout? Est-ce que c'est un truc où il y a les développeurs ou les trucs comme ça? Donc je sais pas. Mais c'est quand même bizarre parce que quand même ça a l'air d'être une zone quand même avec pas mal de passages. Là on a une grosse montagne, tout ça. Donc c'est bizarre. Allez, peace les gens, c'était Drac.